Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est notre président. Et c'est lui qui doit voir le pays. Ah voilà. Et la condition de travail. Et la condition de travail. Tu as même la honte de dire que tu travailles aussi à Suisse. On dit que c'est vous qui tuez les patients. Est-ce que c'est forcément nous n'avons pas prêté serment pour tuer les patients? Mais c'est la condition de travail, à savoir le matériel. Et surtout maintenant le personnel. Le personnel, surtout le personnel. Voilà. Une seule personne fait le travail de 5-6 personnes. Comment dans ces conditions pouvons-nous travailler? Comment dans ces conditions pouvons-nous donner, sauver les vies? Bon, nous ne sauvons pas, c'est Dieu qui sauve. Comment donner les meilleurs soins? Les soins de qualité. Les soins de qualité, qualité partout. Mais, avec 20 patients, toi seul, 20 patients, quels soins de qualité tu peux donner? Voilà. Non? Tu ne peux pas te partager. Donc, et secondo, il y a aussi sa condition de travail salarial. Quand tu causes avec tes collègues de la sous-région, tu avances même. Par rapport à leurs conditions, on ne peut pas comparer. Mais le Togo, on dit souvent que le Togo repose beaucoup de ressources. Mm-hmm. Il y a le port autonome de Lomé, il y a des phosphates, on exploite partout. Mais nous sommes les moins payés de la sous-région. Pas pour le pétrole, marche. Il y a même un collègue qu'on avait qui a dit que le seul port autonome de Lomé, peut nourrir tous les Togolais. Même dans la sous-région, nous sommes les bons pays. Il est venu ici. Est-ce que nous avons un
finis. Oui. Alors ils nous trouveront. La parole. Notre ministre de la Santé. On pose le problème de la santé, c'est le ministre de la fonction publique. Il répond. Il répond, il raconte des histoires. Chaque fois, on a tenu à vous faire la justice. Aujourd'hui, les gens vont venir individuellement rapporter leurs conditions de travail. Et les propositions. Pour que le monde entier sache. Et la proposition. Si vous êtes content ou non. Et faites la proposition pour l'avenir. Pour la suite des événements. Parce que ça démarre comme ça, c'est parti. Hein. C'est un moteur à diesel. Professeur Wada dit ça chaque jour. Ça commence comme ça, là, c'est parti. Il n'y a pas d'arrêt. Donc, tu veux prendre la parole. Tu veux prendre la parole. Ces conditions de travail et les propositions. À l'avenir. Voyez, ouais, vous avez la parole. Bon, moi je vais parler de mes conditions. Je suis infirmier diplômé d'État au service des urgences médicales. Là-bas, on nous a fait savoir que un seul infirmier suffit largement pour les urgences. On n'a pas besoin d'être deux à la gare. Que toi seul tu peux gérer les urgences. Est-ce qu'une seule personne peut réanimer? Hein? Est-ce qu'une seule personne peut faire la réanimation? L'urgence est là-bas. En fait, ça n'existe que deux noms. Il n'y a aucun matériel. Oxygénation, zéro. On a un seul manneau détendeur. Donc si tu as deux malades que tu dois oxygéner, c'est impossible. Hein? Tu choisis un, tu laisses l'autre. Ouais. Tu choisis un et tu laisses l'autre. Jusqu'à ce que tu le retournes, celui que tu as laissé, lui est déjà parti. Hein. Ah, ah. Donc c'est nos conditions ça. Aucun matériel au service des urgences médicales. Alors la direction est au courant, mais jusqu'alors, ça fait des années. Aucun équipement, pas de brancard. Le jacé là, c'est derrière vous. Vous pouvez aller vérifier. Pas de brancard, pas de fauteuil roulant. Alors les lits sont pleins. Si les lits sont pleins, avant là, c'est par terre, on déposait les malades. Je veux lui dire que ça n'honore pas le CHU. De dégager les lits, que c'est mieux de mettre les malades par terre. Ils sont là, et si je marie, on va venir, on va parler. Camara, salut! Camara, salut! C'est pas fini. On oxygène les malades seulement à l'aveuglette. Pas d'oxymètre de pouls pour savoir si la saturation est bonne ou pas. Tu oxygènes, tu tournes, tu vois le malade. Avec toi aussi, ça va. Allez, viens, enlève. C'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Non! Ça fait rire, mais c'est des pleurs. Hein. J'ai suivi beaucoup de choses. Là-bas, je fais 9 ans là-bas. Tout ce que j'ai suivi là, je ne peux pas raconter. Ils ne veulent pas équiper le centre, je ne sais pas pourquoi. Mais un ministre, si je me rappelle, a dit dans ce pays, chaque temps, on réclame que quoi? Nos conditions de travail. Et que si nous réclamons pour le matériel, eux, ils sont prêts à nous le faire. Est-ce qu'il a fait avant de partir? Il est où même? Est-ce qu'il a fait? Ah, il a disparu. Alors, les conditions sont pires que ça. Vous imaginez les urgences? Pas de aucun matériel. Pas d'aspirateur. Si le malade est encombré, tu dois courir, aller où? À la réa pour prendre l'aspirateur. Et si eux aussi ils utilisent, alors tu reviens, tu vois seulement le malade. Jusqu'à l'agonie. Vous voyez les conditions? Voilà. On dit parlez de vos conditions. Vous ne voulez pas parler. Tout ce que j'ai dit là, la liste est chez eux. Hein? Le scanner. Hein? Le scanner. Ça, n'en parlons pas. Est-ce que c'est un scanner neuf qu'on nous a payé? Non. Est-ce que le scanner est neuf? Non. Ah. Alors c'est occasion peinturée. Ça n'a jamais travaillé. La radio, même chose. Quelqu'un a déjà dit tout ça là. Et moi, je ne parle que de mon service. Vous voyez déjà? Vous voyez, c'est dans ces conditions qu'on travaille. Hein? Les collègues,
Les gens ont fait plus de 20 ans. On nous a forcé à faire la fonction publique. Ou bien? Oui. Et puis ils disent pas de bonification. Au fait, qu'est-ce que le statut général de la fonction publique nous a apporté au juste? Vous, vous savez? Non. Moi, je ne sais pas. S'il a apporté quelque chose, que cette personne vienne prendre le micro. Au fait, c'est pour nous nuire. Ce sont les pour voter le statut général de la fonction publique, qui est vide de tout contenu. Est-ce que c'est la phrase que nous voulons? Est-ce que c'est la phrase que nous voulons? Jusqu'alors, on ne sait pas ce que le statut général là vous a apporté. Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un sait qu'il vient. Ok. Joie dans la nation. Merci. 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 Merci.
Manque de personnel. Yes, au moins, si on peut avoir deux ou trois sages-femmes pour une garde, mm-hmm. il y aura une à l'admission voilà. pour accueillir les femmes enceintes, il y aura une autre à la salle d'accouchement, une autre à la préparation. Parce que nous voyons comment les gynécologues. Ils viennent vers nous pour solliciter des poches de sang. Pourtant, on est obligé de prendre une poche de sang appartenant à d'autres personnes pour pouvoir sauver ces cas. Et voir si les parents peuvent éventuellement en chercher. Ouais. À côté de ça, ouais. je voulais en venir à quelqu'un. Ouais. Mon directeur d'école et je sais qu'il est là, il peut dire un mot, il peut changer beaucoup de choses. Il n'est pas ministre. Non, il est ministre. Peut-être qu'il est rentré dans le circuit et que beaucoup de choses lui sont bloquées. À côté de ça également, je voulais en venir au ministre de la fonction publique. J'oublie un peu son nom. Gilbert Barra. Je ne peux pas oublier son nom. Le super ministre. Je ne peux pas oublier son nom parce que ce nom-là m'est très familier. Super ministre. Ouais, je voudrais qu'il revoie un peu sa manière de faire. En tout cas, il paraît qu'il a parlé sur les antennes, soit disant que c'est maintenant qu'il prend conscience de la chose, que nos dossiers sont là, mm-hmm. à son niveau et autres. Et depuis là, qu'est-ce qu'il fait de ça? Il n'y a pas eu un changement. Nous, on n'entend plus rien. Nos nominations, qu'en est-il de ça? Je voudrais qu'il revienne sur les antennes pour nous dire quelque chose. Parce que depuis là, nous, vous ne savez même pas comment nous on a fêté. Hein. S'il y avait au moins, je ne sais pas, des ristournes ou autres là qui sont tombés, nous aussi on pouvait se débrouiller. Il faut aller payer n'importe quoi à crédit, mais ce n'est pas possible. On donc vous faites 8 mois sans salaire, c'est ça? Oui, 8 mois sans c'est salaire. C'est vrai ça? C'est difficile. C'est difficile de vivre comme ça dans un pays. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.